med sjans för alla vad jag gör då. Jag hittar klubben som om vardag. Je voulais pas arriver là. Même si j'ai l'air trop joyeux. Mais il y a des trucs qui m'énervent. Mesdames, ce message est adressé pour vous. Si vous nous aimez, si vous nous trouvez sympa, si vous avez des sentiments à notre égard, vous pouvez rester avec nous. Mais si vous nous détestez, que vous nous considérez comme des moins que rien, eh bien, ne restez pas avec nous. Voire même, ne nous approchez même pas. Parce que nous, on pourrait quand même croire que vous nous aimez. J'ai déjà eu ce problème. Mais je vais pas étaler ma vie. Donc, mesdames, si vous nous complimentez, si vous nous faites des cadeaux, si vous nous aimez en général, là, nous vous accepterons. Mais si vous avez décidé de nous mener à la vie dure, allez-vous-en. Maintenant. Oui, je suis bien d'accord. Moi, j'ai une histoire. C'est à propos d'une fille que je ne dirai pas le nom. Si tu regardes cette vidéo, juste pour te faire passer le message, si tu m'aimes, dis-le-moi. Mais si tu m'aimes pas, dis-le-moi. Et par contre, ça sert à rien de m'approcher. Parce que moi, ça m'y est déjà arrivé mille fois. Maintenant, je vous raconte l'histoire que j'ai. Alors. Je vais vous le raconter. C'était mon début d'année de CM2. J'étais tranquille. Je l'ai vu arriver. J'étais toujours amoureux d'une autre fille. Je l'ai même vu tranquille. Un mec était tombé amoureux d'elle. Moi, j'ai pas continué. J'ai arrêté. Et je lui ai laissé. Après, je suis tombée amoureux de la fille que je voulais parler à. Je me suis fini par tomber amoureux d'elle. Et à un moment, j'ai une amie qui vient. Je lui rappelle que je suis amoureux d'elle. Elle se met à me dire dégage de là. À me crier dessus plutôt. Non, je suis pas amoureux de toi. Je le savais déjà. Qu'on était les meilleurs amis. Et ben, elle s'est mise à prendre une autre fille, une amie, que moi aussi j'étais. C'est une amie. Elle s'est mise à s'appeler entre potes. Et je jouais presque plus avec eux. Ils m'ignoraient tout. Donc voilà mon histoire. Je te laisse causer. Bon. C'est vrai que c'était pas facile. Mais mesdames, allez-vous-en. Mesdames, si vous mettez des pouces nuls parce qu'on vous dit tout ça, ça veut dire que vous l'avez entendu.